Bonjour les parents, verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder ensemble un autre sujet à enjeu dans la salle de bain. Et à dessein aujourd'hui, on va enfoncer un peu une porte ouverte en abordant une bonne pratique qui, je pense, paraîtra évidente à la plupart d'entre vous. Alors je vous invite quand même à prendre quelques minutes pour faire un petit exercice d'autocritique en vous rappelant ce célèbre résultat de sondage. 90% des automobilistes considèrent que leur conduite est plus sûre que la moyenne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours pour fêter la sortie de la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, elle est directement issue du guide de la pollution de l'air intérieur. Et cette bonne pratique, c'est respecter les doses d'utilisation des produits d'entretien, d'hygiène et de bricolage conseillés sur l'étiquette. À ce stade, il est possible que vous receviez ce type de recommandation avec un sentiment d'évidence. Donc je vous invite simplement à prendre une minute pour vous remettre en tête vos utilisations typiques de produits d'entretien, d'hygiène et de bricolage. De vous poser cette question simple. Est-ce que je respecte les doses recommandées par le fabricant? Et si vous êtes comme moi, il y a une autre question qui vient assez vite. En fait, est-ce que j'ai lu la notice du fabricant avant d'utiliser ces produits? Par exemple, vous pouvez commencer cet exercice par les produits d'entretien, et notamment à la lumière des informations suivantes. 1. Selon une étude du Centre de Recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, 20% des Français déclarent ne pas respecter les doses conseillées des produits nettoyants ménagers. 2. D'après le Centre Antipoison belge, environ un quart des appels concernent des produits ménagers ou de bricolage. 3. D'après les résultats d'un sondage Ipsos, réalisé pour un projet européen de référence en qualité de l'air intérieur, le projet EFFECT, par exemple pour les produits multi-usages, 18% des Français interrogés utilisent une quantité de produits plus grande que celle recommandée. Et je suppose que la crise sanitaire actuelle a dû encore augmenter ces chiffres. L'aspect fréquent des surdosages n'est pas si surprenant si on considère que les maladies infectieuses sont causées par la présence de micro-organismes. Alors rechercher un niveau de propreté très élevé peut s'inscrire dans une logique de prudence, en particulier en présence d'enfants. Et puis surtout, la plupart des usagers ne connaissent pas la dégradation de la qualité de l'air associée à l'usage de produits ménagers. Par exemple, d'après un sondage IFOP daté de 2015, l'utilisation de produits ménagers au sein du logement a, pour 65% des Français, un impact positif ou pas vraiment d'impact sur la qualité de l'air intérieur. En complément du risque de surdosage, le guide de la pollution de l'air intérieur attire l'attention sur deux autres aspects importants dans les instructions d'emploi. Respectez les précautions et modes d'emploi des produits. Ne les mélangez jamais entre eux, et notamment de l'eau de Javel avec d'autres produits. L'emploi de certains produits demande des précautions spécifiques, et parfois des équipements de protection particuliers, afin d'éviter tout risque préoccupant. C'est notamment le cas de la soude, par exemple dans le cadre d'une fabrication complète de savon. Nous l'avons évoqué dans une vidéo précédente. Le Centre Antipoison belge recense de nombreux accidents avec un autre produit classique, l'eau de Javel. Douce rappel important, issu de leur expérience de terrain, ne mélangez pas d'eau de Javel avec un acide. Des tartrans, esprit de sel, vinaigre, les vapeurs de chlore qui se dégagent sont très irritantes pour les voies respiratoires. Pour ce produit comme pour les autres, le centre invite à bien respecter les instructions des fabricants. Des erreurs de manipulation ou un manque de précaution sont à l'origine de beaucoup d'accidents. Voilà pour cette même pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça prend juste un clic, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette vidéo pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre donc pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi sera consacrée à répondre à vos questions. Vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants. J'essaierai de faire un maximum de vidéos-réponses. Voilà, je vous dis à la prochaine. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui gardent un regard critique sur leurs propres pratiques, même celles qui paraissent un peu évidentes. À demain.